Et bonjour, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur ce 37e Let's Play de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Aujourd'hui, la cité Gerudo, voir ce qui se passe, la zone du désert. Donc, normalement, c'est pour délivrer le 4e sage, même pour aller vers le temple. Donc, on va voir ça ensemble. Voilà, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est vrai qu'il... Ah! Je voulais la paravoile. Il y a eu la lune de miel. Lui, il s'est réveillé. Tu vois? Voilà. Parfait. Parfait, parfait. C'est vrai que là, il y avait la boutique. Qu'est-ce que ça dit, ça? La bijouterie. Braverie étoilée. Ok, t'as plus rien. Ah, ils ont tout barricadé. C'est un truc de fou. Filtre d'amour. Sauf que ça c'était le bar, ça. Là y a plus rien. On peut dire que là le désert a repris sa place. Ok. Il faut aller où là en fait? Ah oui, je crois que je m'en souviens. Alors, on va voir dans la chambre. C'est barricadé? Non, même pas. Ok, donc là, c'est resté pareil. Qu'est-ce que ça dit? C'est du journal de Riju. Première page. Aujourd'hui, a fait part de nouvelles inquiétantes. Des biens inconnus, ouais, s'échappent du sous-sol du château d'Hyrule. Ouais, Randa, ok. Ok, ok. C'est un gigas, ça. À tous les coups. Le Cifrousse, j'ai vu une silhouette comme un fantôme. Ouais. Mais ça, ouais, gente féminine de la région des Gerudo, ouais. Je n'ai croisé personne. De temps en temps, j'aimerais une fois s'échapper du puits. Je pense que j'ai les Gerudo sont sûrement... Ok. Du puits. Il est où le puits? Il y avait un puits là? Pas de puits là. C'est vrai qu'on peut faire du vin. Là non, là Babyle, là on peut pas le... On peut pas l'appeler. Non, là, t'as rien. Allez. Direction là, dessous les escaliers. Oh. Ici, tout va bien, rien à signaler. Eh. Oh. Mettre à l'abri de la brume de sable. À cette passe se trouve notre cité souterraine. Ok. On n'y est pas admis. Ouais, les hommes. Ok. Quelque chose. Oui, un voile, ok. Ouais. Il est tellement petit. À atteindre les orifices. Ok. Alors personne ne le verra, il lui verra personne non plus. Ouais, il est interdit au voile, ouais. Cependant, nous sommes en état d'urgence. Ouais, j'ai bien vu. Il y a même des zombies. Abré, ok. Ok, elle est là. On peut pas voir. Ok. Harasse-moi de ça. Ah! Maintenant, il y en a deux. C'est pas fair play d'attaquer un mort au sol, mais... mais voilà, quoi. Voilà, voilà. Ok, il y a une lance. Fais voir, lui, je vais l'attaquer direct. Non, ok. Et oui, certains les voix que j'entends parfois sur la nuit. Et les petites hommes que j'aime parfois à l'ouest. Sont sûrement celles de ces dames. Comptez les lieux... Quelle tristesse, j'aurais préféré les rencontrer vivantes. À l'ouest? Il a bien dit à l'ouest. Il y a une truc à l'ouest là? Le geôle du dragon. Oasis du sud? Il y avait un oasis là, à l'époque? Par contre, il y a plus de squelettes, je trouvais. C'est quoi ça comme cité? Il y a ça en plus qui est revenu. Donc, je vais retourner là. Pour voir. Si je peux pas me prendre une tenue. Gerudo. Sable mouvant. Ok. Comment les utiliser un véhicule. Vous créez un chemin. Ok. Voilà, le bazar. Ah, voilà. Pour... Trop chaud, contre la chaleur. Le vent à la mode, ouais. Non, c'est l'inverse. C'est moi que je veux t'acheter un truc. Je te dirai un secret bien gardé, même si les n'en savent rien. Quoi? Les classes, ouais. La parure, ouais. Tu as déjà certains... Ah, dis-toi que... Entre coloré. De ses vêtements, ouais, c'est tout à fait normal. Ouais. Ouais, je sais. Un endroit branché, ouais. Qu'est-ce que je peux lui vendre ? Non, pas ça. Warnox. Non. J'ai dit oui. Vas-y. Il qui meurette si tu l'achètes. Je te dis... Ah, ok. Voilà, c'est là. C'est un accessoire indispensable. Ouais, c'est le dernier. J'achète. Voilà. Avoir acheté mon dernier article, je vais te révéler mon secret, comme promis. Les vendus fait partie d'un set, ouais. Aussi un pantalon, des sables et un épaulière des sablons. Si tu les... On va pas à cet un peu particulier. Un club secret, ouais, de la cité Gerudo. Se trouve derrière la boutique. Diligence Gerudo, ok. Oh. On n'a pas le droit d'entrer dans la cité Gerudo, ok. Il est gang Gerudo, t'as dit? Ne pas baisser la garde. Ok, ça... Ça t'a rien. Alors, le puits. Ah, le crabe enduro aussi, cool. Ah. Source de l'oasis. Ouch. Je me suis fait enfler. Ah. Mais comme il court, paf. Ok, là t'as des champignons. Champignons, là c'est encore fermé. Ah ouais, mais tu as plein de trucs en fait. Ok. Pardon de soldats. C'est une truffe ça? Ça? Truffe! Attends, avant d'aller là-bas, je vais voir quand même ces deux là. Ok, la bobombe. Oh! Ah, ah, je l'ai soulevé. Paf! Ça, c'est en plusieurs coups. Même pas? Ah, en 3 coups. Oh, ça va me demander des bombes. Ah non, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est vrai. Yunobo. J'utilise les bombes. Pour rien. Bon, je les ai allumées. J'aurais pas dû. Ah, ça fait le tour. Yunobo, viens par là, mon ami. Oh. Voilà, regarde-moi ça. C'est vrai, il y a Yunobo. J'ai complètement oublié. Ok, Yunobo, viens par là. Ouais, lui a un coup. Allez, je prends. Hop. Ah, oh, mais non! Ah, regarde-moi ça. Là, il doit avoir un truc. Je suis où, là? Source de l'oasis. Ok. Ah, et c'est tout? Je peux pas aller... Non. Là, là. Ah. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Ok, il y a ça là. Source de l'oasis. Attends. Et là, normalement, je vais en bas. Mais si c'est ça. Voilà. Donc, ok. Donc, ça, c'est bon. L'auberge. Ouais, le puits. Le commerce. Il y a un puits, là? Ah, tu me dis que ça vient du puits. Là, pour le coup, il n'y a rien qui indique quoi que ce soit, là. Là, ça va être chaud pour trouver. Toi, tu me dis qu'il y a un puits. Fais attention à bien pas regarder la porte, j'espère. Je l'ai bloqué avec une caisse. Pas si fort, ici les monstres dehors nous attendaient. Toi mon pote, t'es mal barré. Ok. La barricade est là, mais pas de l'autre côté. C'est ça le puits? Ok. La terre. Ça. C'est quoi ce qui flotte? Nos bouteilles? Toi, oui, toi. Ça y est, je t'ai trouvé. Alors. Donc, il lit cette lettre. Tu m'envoies. Ouais, charmant. Putain, ouais. Puis je moi, ta voix, je m'arrête, bien sûr. Même très charmante. Ok, dépêche-toi. Viens me sauver de ce monde. Je suis prisonnière. Ok. Encore, comme. Oh, plus vite. Ok. 4 joueurs. Ok. On peut pas la prendre, ok. Donc on peut pas la prendre. Ah, il y a une autre bouteille. Ok, ça dit toujours la même chose. Donc ça vient de là-bas. Ah, il y a Yunobo. Ah ouais, mais Yunobo, là, je peux pas l'utiliser. C'est vrai. T'as quoi là? Encore? Oh, il commence à avoir de la structure. Il y a un cul-de-sac. Moi, je vais pas remonter pour le moment. Et je sais pas à quoi ça sert. Hein. Tiens à ça, mais je sais pas à quoi ça sert. Je vais remonter le petit courant d'eau là. Ah, j'ai pas la tenue entière de des auras. Je suis sûr que c'est un mec en fait. Ah. Qu'est-ce que... Ma flèche! J'ai récupéré la flèche! Ok, des flèches. Et toi, tu me dis quoi, toi? Mais ça vient de sous le sanctuaire, en fait! Allô? Ça vient de dessous le sanctuaire! Mais si je monte, je me retrouve au sanctuaire, non? Oh, con! Non. Ok. Je vais aller en prison. Interdit au vol. Ouais, on sait. Ici tout de suite. Attends. Ah, mais c'est l'autre, la garde du corps, voilà. Ah ben non. Ah, c'est elle qu'elle a envoyé. Valide Jirul. Ok, c'est elle qui a envoyé les lettres. Tout va bien. Ouais, a le droit d'entrer dans la cité par autorisation spéciale de notre chef. Ah. Et se servait de toutes les installations. Dans tout le monde. Oh. Tu veux nous jusqu'ici en bravant, ouais. C'est quelque chose de grave. A disparu. C'est l'incident du château, mais la situation est bien pire que je l'imaginais. Que tu viens d'accomplir en traversant la brume. Ouais, Link. Et Sam s'est levé brusquement il y a quelque temps. Tenté d'envoyer une équipe pour en déterminer la cause, mais elle a été décimée par les gibdos. Ils sont partout depuis la brume est arrivée. Ouais, ok. Ouais, protéger. Mes munitions protégées. Ok. Ah, mais. Avec des zombies, c'est normal. Trouver la pensée, mais notre situation actuelle ne le permet pas, malheureusement. Ouais, je sais. Et pas ici. Elle s'entraîne dans... pour son mieux. Pour nous tirer de cette situation. Ouais. Tu la trouveras du côté des ruines du nord. Ok. Merci. Tac. Donc c'est elle qui a envoyé les... Oh non. Ah non, c'est elle. Voilà, Cajou. Hein. Je suis occupé. Mes lettres atteignent mon vol charmant. Ok. Et tant que l'autre n'arrêtera pas, ouais. Ok, une petite. Ok. T'es pas comme les autres voix, toi, pas vrai? Ah, nous on est petits, nous, hein, par rapport au Gerudo, c'est sûr. Arrêté depuis longtemps. Tu as du si spécial. On le passe. Ce que t'as pris, dame. Ouais, ok. Ah, la mauvaise fortune. Se moque de moi. Bien entendu, ouais. Ok. Donc, attends, on peut pas acheter autre chose? Ah, une quête spéciale. Attends. Ah, mais t'y as pas l'autre? De Ruby, là? Ça, c'est Saphir. Le rubis, non pas le rubis, le diamant. Et ça c'est l'ambre. Améliore la défense. Et donc je crois que c'est le saphir, je crois, pour la chaleur. Voilà, anti-chaleur, ça c'est bon ça. Anti-chaleur. Allez, pour 1400 je prends. Ça reprend un va, ouais, la taille de ta tête est impressionnante. On parlait de son cou. Ah, pourquoi? On est bizarre. Pardon. Ouais. Ah, elle avait prévu, ouais, faisait les zones autour des dunes de Tourma. Ah ouais, le mold d'Alcor. Ok. Ah. Bon, allez, hop. Voilà, anti-chaleur. À ta taille, à la perfection. Il est garanti à vie. Mais tiens pas l'autre. Non. Donc ça c'est pour sortir. Mais c'est grand là en fait. Bienvenue. Un garçon. Ah, t'es pas un Gerudo toi. Quoi, une Gerudo, hein. Je m'en pas. Croiser un garçon easy. C'est fou comme les choses changent. Celle c'est ça, ouais. Lys elle s'appelle. Tu as intérêt à bien te tenir, ouais. Sans chasser de la cité. Ok. Comme l'autre là-bas. Tu vois? Ah il entend. Je te compte du bien, ok. Quoi qu'il en soit, puisque tu as vraiment essayé les sages relaxants. Le doigt de fait. Avant, j'étais juste cliente. Ok. Ils sont pas toujours au rendez-vous. À ce prix, c'est normal. Ok, donc là, c'est les trucs relaxants. Ok. Du beurre. Donc, elles font dodo. Ah ouais, mais toi, mais t'es vraiment en prison. Ah, à l'arca. On peut lui parler de là? Non. Ah, ah, tu peux lui parler de là. Ok. Donc ça, ça, tous les champis. Ok, elle, elle est là. Oh, le canon! C'est quoi ça? La foudre qui tombe? Ok. On peut les briser ces pierres? Attends, je vais pas faire le fou ici. Bon, allez, hop. Ok, c'est juste en dessous. Ah, mais... Ah, ah. Et fais voir où est-ce que ça mène, ça? Ah, ok, ça mène là. Ok. Et ça, ça amène là. Okay. Donc, ok. Elle dorme. Donc lui, il est juste là. Allez, hop. Petit épée. On va aller voir ça. Donc, j'ai acheté 2 hauts. Un diadème et la coiffe. C'est Zelda. Non, c'est pas Zelda, ça c'est le dragon de foudre. Ouais, ça c'est le dragon de foudre. Ah, par contre, il fait froid. Voilà, j'ai acheté ça. Anti-chaleur. Je vais me prendre ça. Me prendre ça. Ah non! Ouais, l'anti-foudre. Voilà, anti-froid, anti-foudre. Morse. Non, allez. Babil, ah, je peux pas l'utiliser. Oui. Ah, tiens, ça va me faire remonter. Cool. Voilà, ça c'est parfait. Oh, j'ai bien fait de me mettre la foudre. Ah, c'est elle qui l'utilise. Encore à côté. Si je ne m'améliore pas, je ne pourrai pas protéger mon peuple. Link ? pour une surprise. Tu es toujours là où on ne t'attend pas. Riju, ça fait longtemps. Ah, t'as bien grandi. Cela dit, j'avoue que tu n'aurais pas pu mieux tomber. Oh. Surtout Jirul s'est élevé dans les airs, a disparu. De découvrir ce qui est arrivé. C'était sincèrement dit que j'ai l'amitié pour la princesse, moi aussi. Je vais t'aider, mais d'abord, ouais, il faut résoudre au plus vite le problème des Gerudo. Ouais. Être facile d'arriver jusqu'ici. Ouais. Les sables, c'est répandu, ouais. Sur toute la région, ok. Où le château s'est élevé dans les airs. Infiltré partout, ok. Une île de monstres étranges. Les gibdos, ah ouais, c'est les morts vivants. Lentement, ils sont peu sensibles aux attaques physiques, ouais. Nous l'avons appris à nos dépens. Entraîner. C'est de réussir à frapper, ouais, un mannequin avec ma foudre. Pour être efficace contre, ouais. Des progrès à faire pour maîtriser cette technique. C'est pas encore aussi bien qu'il le faudrait. Ils parvenir au plus vite, ouais. Donc, ouais, les gibdos, ils doivent craindre la magie. De la bonne sang, ouais, ouais, je partirai, ok. Et bien sûr, je suis là pour ça. Tirer une flèche sur le mannequin. Canaliseur à canaliser ma foudre, ok. Oh, pousse-toi, merci. Très bien, c'est drôlement efficace. Continue si tu veux. Ouais. Allez, 3. J'ai les 3 mannequins. Hein, si nous arrivons à occulter tous en même temps. Ça, plutôt que de les cibler individuellement, vaut mieux viser au centre. Ok. Là où ce rocher sort de terre. Ok. Une chose, plus la cible est éloignée, plus j'ai besoin de temps pour préparer ma foudre. Ok, ouais. Ah ouais. Voilà, et là. Très bien. Commence à prendre le coup de main. Ça va être très utile contre l'équipe de... Ah, oh, mais... Son pouvoir quand on l'aura là en fantôme, mais ça va être la folie en fait. On entend bien plus facilement désormais. Ou pour ton aide, Link. Ah, ça y est, l'histoire commence. La première Gerudo. Entendu, ce n'est pas le bruit de la brume des sables. Où ça venait à ton avis? Message urgent. Faut pas entière, les nains marchent sur le bazar. Oh, à sec. Déjà en route pour assurer la défense. Je te remercie. En au bazar. Ok. Je suis là pour ça. Se trouve le bazar, n'est-ce pas? C'est l'oasis située au nord-est de la cité Gerudo. Temps de... Les résultats de nos efforts. Au nord-est? Il y a un coffre là. Oh, l'arc! Tiens, je vais le changer. Bon, allez, le 14, c'est bien beau les piafs, mais... Donc au nord-est. Au nord-est, au nord-est. Donc pour le moment, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce let's play. Sinon il va durer trop longtemps. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche. Et moi bien sûr, je vous retrouve au prochain numéro pour la suite du sauvetage des Gerudo. Allez, salut, salut!